vois ma tête, quand je vois le poids, je me dis putain. Est-ce qu'on va y arriver, même? Faut savoir un truc d'important. Là, c'est le seul moment que je regarde dans les yeux de mon adversaire. Aujourd'hui, on va faire weight cut. Donc, combat samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Je suis à 89,5. J'étais à 90 ce matin. Et demain matin à 9h, je dois être à 83,9. Je combat en middleweight. Et je dois perdre du poids. Je dois transpirer un peu. Tu vois, tu dis Allah Akbar dans le ring. Tu perds ça, je jure. C'est comme ça, ils aiment bien, ils aiment bien les guerriers. Pour mieux dormir. On va au Celtics pour la sèche. Oui, un mois j'étais à 99 kg, là je suis à 89, bien sec. J'espère que le jour du combat je serai à 93. On va voir. Hein. Demain. Je vais mettre un truc pour mieux transpirer. Ça c'est le haut. Avant on mettait des sacs poubelles. Maintenant on met des sweatsuits. Un sponsor ou quoi? Non, pas de sponsor. Bientôt. Avec des gros yeux. Ah oui, tu sais, moi, regarde-moi des photos, costume. Il y a qui peut me prendre un bouc, hein? Oui, c'est bien. C'est bien. Ça fait 8 mois maintenant que je m'entraîne au Celtics en pied-point. J'ai une bonne attente, je suis un flamand, j'aime bien traîner avec des flamands. Mon staff coaching, c'est que des flamands. Pourquoi j'aime cette salle? Il y a un fitness, il y a de tout. Les Celtics, c'est la famille. On va, avec eux, je vais aller très très loin. C'est comme ça que je me sens là-bas. Là, on va faire 2 minutes de corde à sauter. C'est le plus dur, donc on va commencer par ça. Hein.
maintenant on va prendre la partie sérieuse, un peu frapper sur les paros et faire un peu des échanges de lutte. Et on va voir comment on se sent, hein. Pour l'instant ça se voit, je transpire déjà, en dessous je transpire encore mieux. On va voir combien on pèse. Oh. La première fois que j'ai été là, c'était pour un sparring avec mon pote. On a fait un sale sparring. Ce que j'ai aimé, le coach, il m'a coaché moi et lui. C'est toujours plus intéressant. Il y a des coachs qui veulent que coacher leur homme et pour que tu te fasses tuer, que tu aies de la viande. Puis il m'a dit reviens. Je suis revenu une fois, deux fois, trois fois. J'ai aimé ce qu'il donne. Il arrive à l'entraînement avec une feuille de papier. Il sait déjà tout ce qu'il va faire pour la semaine. Check, pile et pied mélatonine, sniff en bête, se frappe. De laatste minuut en ik probeer recht te staan. Je laat mij, je doet mij zoek tegen dan. Ik probeer terug te staan. Maar kan ook. Voilà, je souffle. Voilà. Je crois que j'ai déjà. Première fois que je mets mon sweatsuit, je crois que mon pantalon il est déjà déchiré. C'est pas fait pour la lutte. Hein. C'est fait pour les boxeurs, c'est pour facile la lutte. Ouf, c'est un autre cardio. C'est savoir à ce moment-là, t'as pas bu de la journée, j'ai mangé un saumon de 400 grammes, mais à ce moment-là, j'ai bu rien du tout, donc tu transpires, t'as envie de boire, tu peux pas, tu fais une session PAO, mais il faut savoir, PAO, il faut réfléchir, il faut taper fort, mais comme t'as plus rien bu, t'as rien dans le corps, c'est très très dur, limite tu as envie de dire si tout on arrête, on reste là, on voilà, mais il faut perdre ce poids. Est-ce que d'un portier stond? C'est la deuxième fois qu'on court. Maintenant c'est dur. Des points de côté de fils de p***. Demain matin on est à 83,9. Au jour du combat, j'espère que je serai de nouveau à 95 kg. Avec une de ces patates, mon adversaire il sera pas prêt. Impossible. Je dis, moins de 2 minutes, je le tue. On enlève le plus dégoûtant, mais comme un con, j'ai oublié de prendre des vêtements de rechange. Tout transpiré. Une chance que c'est pas mon sponsor parce qu'il est déjà cassé.
Mes horaires, mes abdomens, ils sont bien, non? Non. Je me regarde dans le miroir et dit que je suis tout mince. Je vais faire un magazine. On va se peser, on va voir si ça donne. .5, je crois. Ce que tu voulais, non? Non, il faut encore encore un peu. Malheureusement. Je me pèse, je me dis, j'ai déjà perdu 2 kilos. Hein, et je me pèse, j'ai perdu 1,7 kg. Je me dis, putain, fille, ça part pas, fille. Donc je me dis, putain, il me reste encore 4 kilos à perdre. Et c'est pas, ça part pas comme il faut. Donc maintenant, on va faire 20 minutes d'air bike et on va continuer avec le sauna portable chez moi à la maison. Et puis demain, encore les bains, mais j'espère que perdre un peu plus, quoi. Donc, donnez-moi la force. Aujourd'hui, j'ai bu 2 espressos et un saumon. J'ai mangé 400 grammes de saumon cuit. Donc, j'ai rien bu. J'ai pas encore trop soif, ça va, ça passe. On va voir. Hein. C'est la merde. Honnêtement, je croyais que j'allais me peser. Je croyais que tout. J'allais rentrer, j'allais dormir. Non, rien du tout. Encore, travail. A plus de force. Mentalement, toi, tu vois ma tête, quand je vois le poids, je me dis putain. Est-ce qu'on va y arriver même? Maintenant, on va mettre le chauffage à fond. Le temps qu'on arrive à la maison. L'autre fois, on était en Hollande, je vais encore perdre 1 kg. On a roulé 4 heures de Neder-Overijmbeek à Amsterdam. J'ai perdu 1,5 kg. Maintenant, on est que 20 minutes dans la voiture, mais tous les peu, ils aident. Hein. Il reste quand même 3 kg à perdre. Hein. 3-4 kg. Hein. En combien d'heures? En 12 heures. Il reste 12 heures. À 9 heures, c'est la pesée. Il est 20h35, donc 12 heures et 25 minutes. Ça va, ça devrait aller. Je vais aller chez moi. La voiture, elle m'a tué. Les plats pour demain, regarde. Ça, c'est une femme. Les boissons pour recharger, vraiment scientifiquement. Les bonbons pour le sucre. Et ici, les plats. Les plats, des pancakes, du riz. Tu vas manger tout ça demain? Tout ça, demain, après-demain. Il y a tous les repas jusqu'à la pesée, jusqu'au jour du combat. Et des chips. Ceux-là, ils ne sont pas dans le frigo. Je ne sais pas où elle les a cachés. La deuxième pesée, on a fait 20 minutes d'air bike, 10 minutes de marche. Mais je ne transpirais plus, donc on est venu à la maison pour le sauna mobile. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Prions. .7. Donc, j'espère encore perdre un bon petit kilo aujourd'hui. Parce qu'il va en faire encore pas de combien. Bien fermé, Arthur. Let's call it a miracle. C'est pas, il faut ouvrir ça. Je stand, but the past will change the most. C'est froid. Là, je suis en train de souffrir, les gars. On est en train de regarder un film. Ça passe plus. Je transpire. Ils vont manger un snack. Moi, je peux pas manger. J'ai envie de sortir. C'est chaud.
autres souffrent, les autres ils se mettent bien. Mais c'est un snack pourri, les masques, ils disent que c'est bon, mais ils se trompent que le snack il est pas trop bon. Oui, moi, franchement, il est bon. En vérité, il est très bon. Ah, mais t'es cool. Il était où là? Il est là, il est juste. C'est plus ce que tu dis. Je suis au titre 87. Je suis au titre 87. Là, ça marche pas bien. Le sauna portable, je me suis mis 20 minutes dedans, je me sentais pas bien. On va continuer demain. C'est mieux d'aller dormir et aller rentrer dans un vrai sauna demain. Parce que je souffre et je perds pas de poids. Faire une autre solution. On va y arriver, hein. Je vais dormir avec des habits. On verra bien demain, c'est quand je me réveille combien je pèse. Je dois perdre ce poids, il faut trouver la meilleure solution et là je choisis d'aller dans le sauna le matin. Putain, c'est le luxe, hein. Gokan il pense au fighter. On enquête, on se motive. Donc là, bonne nouvelle, je me réveille et j'ai perdu 1 kilo. Je me dis, oh, bien, je suis déjà, donc je me rapproche du but final. Donc ça, oh, relâchement, je me dis, on va y arriver quand même. Ouais, courage du coup. Les deux derniers kilos à peine. J'ai bien transpiré, le sauna il est pas trop chaud. Vous voyez, bien. On va se mettre dans des essuies. Deuxième, je crois, troisième séance. Et ça devrait être bon. Regarde. Plus de 24 heures, je me suis plus lavé. Je fais que transpirer. Comment je dois puer? Ouais, et puis de la bouche, même pas de force pour brosser mes dents. Arthur il se plaint depuis le matin. Nous on le fait à la bruxelloise, eux font à la professionnelle. T'es content? Après je vais te contacter de boire, manger. Donc là on a de la chance, on est à 84,7. C'est pas le vrai poids, mais en Belgique on peut être 1% au-dessus du poids qui est de 83,9. Bon, hein, 84,8 et t'as un slip. It's ok. Ah. Voilà, c'est bon. Ouais, va manger, va boire. Ouais, ouais, t'inquiète, demain, 93. T'inquiète, sucre, sel, protéines un peu. On a un peu de gaz. On est bien. Ok, mec, comme
ça fait du bien. Mais regarde, c'est hypocrite un peu. On se pèse, direct après on se recharge, direct, même pas une minute. Je viens de me pisser, une minute après je suis en train de boire. Là je suis déjà plus au poids. Pesé validé. Maintenant ça, la fête elle commence, on va manger. Et demain ça va castagner. Ma pesée réussie, tiens, 6 euros mon ami. Merci, t'as vu, bien fait d'attendre. Et maman il était parti. Il croyait que j'ai cuit. Laisse sa mère, il a de la chance. Normalement je donne pas assez clochard. On va chez ma mère, premier repas de la journée. Ça va faire plaisir. Mmh. 24 heures que j'ai pu manger. Ça fait du bien. Un petit thé au miel, ça fait longtemps. Le régime, on ne peut pas manger tout. Pas de sucre, pas de miel. Et maintenant. Tout est permis. Et un miel que j'ai volé au délit. 8 euros, je l'ai volé. Ma mère l'a déjà tué. C'est bien, il est là, c'est déjà ça. Il est... Parce que c'est bien, on... 5 personnes m'ont envoyé pour combattre ici, les 5 ils n'ont pas accepté, donc c'est la merde un peu en ce moment pour trouver des combats. C'est du business, il va recevoir un beau cachet et il va se faire des belles vacances dans son pays. Voilà. Please welcome Alain van der Merkt from Belgium. Faut savoir un truc important. Là, c'est le seul moment que je regarde dans les yeux de mon adversaire. Ok, c'est là. Maintenant, on est pesé, rechargé. Je regarde dans ses yeux, je vois quelle flamme il a. Tu vois, là, en fait, on sent, est-ce que tu t'es bien entraîné? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce que ça? Et là, on teste. Avant le combat, je regarde jamais dans les yeux du combat. Là, de mon adversaire, je reste dans ma bulle. Le but, c'est plus lui, c'est moi. Mais là, c'est le seul moment où je regarde dans ses yeux, je me dis qu'est-ce qu'il y a. Après lui, c'est un vétéran. Il vient pour combattre, prendre son chèque comme j'ai dit, mais c'est la honte si tu perds contre un gars comme lui. Faut pas oublier ça, parce que donc il y a une pression énorme sur moi. Tomorrow night, Saturday night, MMA Bushido 90. After that, the UFC, baby. I'm gonna see him at the Apex, T-Mobile Arena, Madison Square Garden, who knows? Tune in. Et Patrick, il est pas là. Non. Je vais lui donner ces deux cartes qu'il y a ici. Un beau punk. Merci. Patrick, il y a un petit ticket.
Maintenant, tu peux remanger ou pas? Ah non, ok. Un bon pour les hamburgers privés. Grand street. Vous voulez une sauce à part? Andalouse. Andalouse. Tiens, goûte à l'autre. Voilà. Il y avait un bon parking juste là. Donc là, on arrive, je me réveille, j'arrive difficilement à manger. Le corps, il sent le stress, il sent. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Là, on doit passer chez le médecin. Je suis pas assurant en Belgique, donc je dois faire mon assurance maintenant avant le combat. Autrement, je peux pas combattre. Voilà, tel est. Ainsi va la vie. Bonjour. Il n'y a pas de maladie dans la famille ou quoi? Tu prends pas de médicaments? Franchement, ta tension est parfaite. Alors, je vais écouter un petit peu le cœur, le poumon, tout ça, ça va. Toute la rangée ici, elle est à moi. Toute la rangée, elle sera à moi, personne d'autre. Et je dis pas, sans personne ici, c'est pour moi. Donc je dois ressentir ce qu'ils vont ressentir là, les frissons. Tu le sens bien? Ouais, c'est bien, je dois toujours faire ça pour. La sensation. Tu rentres dans la cage, toujours un. Pas un petit. Ouais, un petit truc. Une petite sensation qui me fait. On y est presque. Maintenant, on va juste attendre, s'échauffer, bagarrer. Ah, le stress, mais c'est bien. Le stress. Faut se dire, là, je vois rien. Je suis dans ma bulle, il y a plein de gens. Je reconnais quelques-uns et tout. Mais je suis dans ma bulle, je vais faire mon combat. Je suis pas là pour les gens, je suis là pour faire mon combat. Après, il y aura les gens. Surtout, parce qu'il y a beaucoup de fighters, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pressent, ils veulent, et ils font n'importe quoi. Donc, calmez la chose, calme-toi. Kijk of je kan niet slijden. Die rechtsknie van de midden. Yes, die rechtsknie.
c'est une pression que je mets sur le dos, en fait. Et cette pression, même quand je l'ai fait à l'entraînement à quelqu'un, c'est une soumission. C'est comme une soumission. Ce qui ne peut plus bouger, il va ramasser des frappes, des frappes, des frappes, des frappes, des frappes. Mais... parce que moi, je savais déjà, c'est pour ça que je nage. Parce que je sais cette position. Bonne chance. Le seul Belge à l'UFC pour le moment, il va faire du mal son prochain combat. Les doigts dans le nez comme moi j'ai fait. Aujourd'hui c'est lui la star. Lui il a dit il allait aller à l'UFC, après j'ai dit je te suis quoi. J'espère. Zoulou, Alain. Donc là, j'ai tenu ma promesse, j'ai gagné. Pas 100% comme je voulais parce que j'aurais pu rester debout. Je l'ai quand même ramené au sol. J'ai vu que j'allais le ramener au sol, je l'ai quand même fait. J'avais dit à tout le monde que j'allais pas le faire. Voilà, j'ai vu une opportunité. 6-0, 5 au premier round. Rendez-vous le 18 février pour mon 7-0 Amsterdam LFL. Bah!